jeune. Bon, on vient d'arriver au Tréport, donc je savais même pas que c'était en Normandie le Tréport, je pensais que c'était encore dans la Somme. Donc on va passer la journée sur le Tréport, passer la nuit à Eux. C'est un hôtel que tu as réservé ? Ouais. Demain, petite journée dans la ville de, Aurélie va me le dire, Holt. Il faudra qu'on marche. Aujourd'hui, on va marcher beaucoup, mais je crois que ça va être beaucoup de la ville, hein, c'est ça ? Ouais, c'est pratique. Il fait très beau, une belle journée s'annonce. J'ai oublié de dire qu'il y avait un funiculaire. Funiculaire, c'est assez haut quand même, hein, ouais. C'est pas que ça m'inquiète, mais un petit peu quand même. Bah, t'as fait les remontées mécaniques, tu peux faire le funiculaire. Les vitres, elles sont dégueulasses, on va rien vite. Voilà, c'est encore pire. Dégueulasse. Ouais, c'était facile. Bah écoute, c'est merveilleux. Garé au parking du funiculaire, on est vraiment au bord de la mer. Est-ce qu'on prend le funiculaire tout de suite ou on se balade? Je sais pas. Moi je pense qu'il faut peut-être pas aller manger trop tard si tu veux te faire un resto en bord de mer. Et comme ça prendra toute l'après-midi. Ok, bon on improvise? On improvise. Je crois que je suis prêt, j'entends les mouettes, là, c'est bien. Il a très faim. C'est pas que j'ai très faim. C'est... Là où tu me dis, on pourra pas, il va être tard, il y aura du monde. Et en fait, tu traînes. Bon, ma foi, le funiculaire, c'était pas une si grande épreuve. C'est vrai, c'est bidon, je pensais que c'était plus impressionnant que ça. On va essayer de manger quelque part déjà. Attends, j'ai mangé des glaces italiennes bien meilleures. Ça a été bien chargé quand même. Et Aurélie avec son bubble tea. Dégueulasse. Elle me l'a bien fait remarquer. Donc là on va aller l'autre côté du rivage, l'autre côté du Tréport. Je sais même pas si c'est encore le Tréport là-bas d'ailleurs. Oui. C'est encore le Tréport? Oui, puisqu'il y a le port. Et je pense que c'était ici moi encore. Il y a des bateaux qui s'amèrent. Donc on va aller l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait des belles maisons. Faire des belles photos je pense. Je suis sûr qu'on peut couper là, c'est certain. C'est certain parce que tout à l'heure on était. Bah ouais, tu nous as fait faire un détour de malade pour rien. Tout le paysage était dégueulasse. Il filme, il est en train de filmer, c'est parce que je me suis bourré de boutons. Les cascades. Ouais. Bon,
on a fait un putain de détour, mais un détour de malade. On a contourné mais tout le truc, alors qu'en fait ça coupait. On aurait gagné une demi-heure, facile une demi-heure. Enfin, merci Aurélie. Non, au retour on prendra cette passerelle. Elle était bien dissimulée quand même. On a fait un beau détour quand même. Tu vas me le dire combien de fois? On a fait un beau détour parce qu'en fait il y avait une passerelle qu'on n'avait pas vue. J'aurais pas vu non plus Aurélie, j'aurais fait le tour aussi. Mais j'aurais peut-être vérifié avant quand même. Je me disais c'est bizarre qu'on n'était pas si nombreux à faire un détour comme ça qu'avec nous. Magnifique, des belles couleurs. Aurélie, d'accord, les crottes, c'est dans le sac. Sachant que ça va être violent. Allez, c'est parti, on monte la colline. Putain, j'ai fait 50 marches. Je suis déjà mort, Aurélie. Est-ce que tu sais combien il y a de temps pour monter? Est-ce que tu as l'information? Pas du tout. Est-ce que tu sais la distance? Ok, on reste dans la surprise. Bon, après, je pense que ça va être du plat, des marches. Ah, ça va être dur. Bon ben nous voilà arrivés. Ave Maria Stella. Ah, t'as plein de circuits ici. Hein. Allez, arrête, oh, repuse. Allez, donc c'est quoi la suite là? On va retourner, moi il me faut des churros, donc je pense qu'on va repartir de l'autre côté et je vais me bouffer des churros. Après on va remonter tranquillement jusqu'à l'hôtel je pense, on va se poser tranquille comme ça. Tu sais ce qu'on n'a pas pris? Putain, elle va me faire la liste de tout ce qu'on n'a pas pris. La, vas-y, dis. L'aéropress. Ah putain. Faire le petit café du matin. Non, le principe, au lieu de faire tout le détour par là-bas, c'est de tourner ici, au niveau de la passerelle. Ça va être beaucoup plus pratique, effectivement, et ça va nous faire gagner un temps énorme. À moi les churros. La journée au Tréport est terminée. Direction Leclerc, on va chercher quelque chose. Direction Leclerc, on va chercher quelque chose. Allez, on va dire comment? On va se chercher quelque chose à manger. Pas un truc trop gras parce que j'ai mangé beaucoup de glace et de churros. Donc la journée de demain se fera à Holt. Donc là, j'espère que ça va être un peu plus sauvage. Là, c'était un peu plus dans la ville. Bon, c'était cool, c'était sympa. Il y avait un peu de monde quand même, sans que ce soit la foule. C'était agréable quand même. Évidemment, on va chercher des chemins de randonnée, je pense. Essayer de patauger le bord sur le bord de mer. Il a pris une étoile en plus. L'accueil est là-bas au bout.
C'est génial. Il fait chaud. Bon. Une douche. La salle de bain, elle est correcte. Hein. Elle est propre. Ouais. J'aurais pas dû manger de churros. Je pense que on est arrivé au point le plus haut. Ah, c'est dingue quand il y a du soleil. Je sais pas si on a des flocs, je sais que là-bas il y a des flocs, je sais pas si on en a. La pointe quoi?